Et salut à tous, c'est DofaBook. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel pour apprendre à jouer à Dofus sur sa tablette ou son smartphone. Très bien pour les petits geeks qui voudront jouer toute la journée. Donc qu'est-ce que vous devrez installer sur votre mobile? Donc, vous devez télécharger l'application Puffin Web Browser, donc une application gratuite de base, donc gratuite donc, qui accepte le Flash, donc c'est ce qu'on cherche à avoir, donc accepte Adobe Flash Support donc, en illimité. Donc, pour la version payante, vous aurez accès à toutes les heures, vous pourrez jouer toute la journée sans souci. Cependant, sur la version gratuite, vous aurez accès que de 8h à 18h. Ensuite, vous lancerez l'application sur votre smartphone ou votre tablette et vous accéderez au lien que je mettrai dans la description, donc jouer à Dofus sur son smartphone. Vous verrez que le Flash va vous demander une autorisation, vous allez la valider, puis vous allez accéder au jeu Dofus. Donc là, par exemple, je vais mettre en mode invité donc pour pouvoir vous montrer le jeu. Donc, j'ai eu quelques bugs de connexion, donc normalement, je vais le mettre sur pause histoire de passer le chargement. Voilà, donc là, vous voyez, on va pouvoir choisir son serveur. Donc ça va être absolument comme sur le vrai Dofus, donc vous pourrez vous connecter avec votre compte et jouer avec vos amis. Donc ça va pas être très pratique sur smartphone, mais sur tablette il n'y a aucun souci. Donc là par exemple je vais créer une petite limitrophe pour vous montrer que tout marche, donc je me trouve bien sur la page internet. Voilà, donc cependant il y a plusieurs points négatifs à cette chose, à cette application. Donc le flash de Dofus n'est pas supporté sur de nombreux téléphones, donc, par exemple sur mon S1, sur mon Galaxy S1, le flash est supporté, donc j'arrive à lancer le jeu. Mais sur le S4 on me dit que la résolution est trop grande, donc si jamais on vous dit que la résolution est trop grande, bah, il faut abandonner, il n'y a aucune résolution. Donc, j'ai testé plein de choses, plusieurs applications flash, celle-ci est la meilleure mais n'est pas supportée sur beaucoup de téléphones. Cependant sur tablette tactile, par exemple l'iPad, il n'y a aucun souci, moi j'arrive à la faire fonctionner sans aucun problème. Donc voilà, donc maintenant que vous avez compris comment jouer à Dofus sur votre smartphone ou votre tablette. Donc c'était DofaBook, et si jamais vous avez des questions et des problèmes de connexion ou pour vous connecter, n'hésitez pas à poster un commentaire dans la description, et j'en profite pour vous rappeler que si jamais on vous indique que des serveurs étrangers au moment de votre connexion, il faudra désinstaller l'application, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Donc vous désinstallez l'application et vous effacez le cache de votre navigateur internet et vous réessayez plusieurs fois afin d'accéder au serveur français. Donc sur ce, c'était DofaBook, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile, bye. Et voilà, donc je vous mettrai une petite musique de fond, donc à mon avis.